bien nous revoilà ensemble les enfants. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sophie. Bonjour Benoît. Alors après ce beau défi que vous avez vécu avec vos parents, eh bien on vous propose maintenant de bien regarder tout ce qu'il y a sur cette image et puis de faire vos propres commentaires. Allez, c'est à vous. Eh bien les enfants, maintenant on se retrouve pour parler un petit peu de ce que vous avez vu et de ce que vous avez dit. Alors, est-ce que vous trouvez que ces fruits et ces légumes ont la même allure que ceux que vous avez d'habitude dans votre assiette? Moi, j'avais jamais vu ça. Hein. Non. Est-ce que vous aviez vu déjà une carotte un peu en zigzag qui n'était pas droite? Non. Une carotte en forme de botte? Un champignon avec deux pieds? Une pomme avec une grosse bosse par-dessus? Une fraise avec trois petites couronnes sur la tête? Des asperges pas droites? Quoi d'autre encore? Je crois que vraiment, ces légumes et ces fruits ne sont pas très beaux. Ils sont drôles. Ils sont drôles, c'est vrai. Mais est-ce que ça change le goût qu'ils soient beaux ou qu'ils ne soient pas beaux? Non, ça a le même goût. Ça a le même goût. Mais Sophie, alors dis-moi, que fait-on de ces légumes qui ne sont pas beaux ou de ces fruits qui ne sont pas beaux? Souvent, comme personne veut les acheter, on ne les met pas en vente. Alors, ils se retrouvent ailleurs ou parfois on les jette. Alors vous, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous les voyez sur le marché? Eh bien, moi, je vous conseille de les acheter. Eh bien, comme disait Sophie, si vous les retrouvez sur le marché ou ailleurs, n'hésitez pas à les acheter. Mmh. Ils ont le même goût. Ben oui, ils sont aussi bons qu'ils soient moches ou qu'ils soient beaux. Alors, régalez-vous avec des légumes différents. À bientôt.